Salut à tous mes amis et bienvenue donc sur la chaîne. Je tiens à remercier tout le monde là parce qu'il y a de plus en plus d'abonnés qui commencent à me suivre et sincèrement ça fait vraiment plaisir. Ça veut un petit peu dire que je fais pas que de la merde. Donc pour ça merci à tous. Voilà, aujourd'hui on va avoir un petit exercice plus pour les débutants, pour travailler l'indépendance mais vraiment de manière agréable et pas trop difficile. Bon, pas trop difficile, oui et non, parce que vous allez voir que notre cerveau est très bien fait. Je m'explique. Donc vous voyez le petit exercice que vous venez d'entendre, regardez. Donc en fait, c'est tiré de la méthode Agostini, je leur fais un petit peu de pub, hein. Excellente méthode. Et en fait, moi, dans cette méthode, comme je la connais par cœur, je m'amuse tout simplement à tout modifier. Voilà, souvent c'est ce que je fais donc avec les élèves. Page 64 en l'occurrence de cette méthode. Donc l'initiation à la batterie, volume 0, qui est la bible de tout batteur débutant, je vous l'annonce. Donc pour cet exercice, j'ai pris donc la ligne 4, la ligne 5. Donc regardez, ça s'affiche sous vos yeux. J'ai pas fait les 4 répétitions comme il est précisé. J'ai juste fait 2 répétitions de chaque mesure. Voilà. Et ensuite, j'ai enchaîné. Donc, en fait, j'ai fait le rythme classique en rajoutant quelques ghost notes, mais bon, ça, je ne peux pas m'en empêcher. Mais j'ai fait le rythme classique, donc en Charleston, tel qu'il est écrit. Et ensuite, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait exactement ce qui était écrit toujours. Sauf que, au lieu de tout faire sur mon Charleston au niveau des croches, je suis venu incorporer ma ride. À quel endroit allez-vous me dire, à quel niveau? Et bien en fait, tous les temps, je les ai gardés en Charleston. Et tous les contretemps, donc les et, fameuse croche, je suis venu les mettre sur ma ride avec ce mouvement-là. 1 et 2 et 3 et 4 et etc. etc. Sans bien sûr bouger les mains et les pieds. Et en fait, c'est là que vous allez vous rendre compte que notre cerveau est un petit peu capricieux de temps en temps. C'est-à-dire que on va arriver à faire boum, pat, boum, boum, pat, boum, pat, boum, boum, pat, sans problème. Et dès qu'on va vouloir faire ce mouvement, il n'y a plus personne. Je vous rassure, c'est normal. D'accord? Ça veut dire que l'indépendance et vous, ça fait deux. Donc, ce qui est absolument normal à ce niveau de batterie. D'accord? Parce qu'en page 64, on est encore sur des choses relativement simples. Donc, c'est pas facile de travailler. Par contre, l'indépendance, vous allez voir, c'est quelque chose que plus vous allez le bosser et plus vous allez déverrouiller de nombreuses barrières dans votre tête. Voilà. Donc ça, c'est à prendre en compte. C'est vraiment quelque chose d'hyper important à la batterie, l'indépendance des membres, bien évidemment. Donc, on va juste faire 1 et 2 et 3 et 4 et. Et c'est juste le fait de changer ça, de plus faire les croches qu'au Charleston, mais devenir... va faire ce mouvement qui fait que on va mettre les grosses caisses partout, on va mettre de la caisse claire partout, enfin on va se paumer, d'accord? D'où la nécessité de travailler tranquillement. La première chose que je vous conseille, ça va être de faire premier temps, troisième temps grosse caisse, deuxième temps, quatrième temps caisse claire, donc rythme classique, poum, pas, sans pour l'instant prendre en considération les lignes 4 et 5 de l'exercice que je viens de vous faire entendre, d'accord? Et déjà de vous entraîner avec ça. C'est-à-dire que ça va nous donner tout simplement ça. Voilà ce que ça donne. Bon, sur la fin, j'en ai rajouté un peu pour vous montrer qu'à partir du moment où on maîtrise le mouvement comme ceci, okay, on est capable de tout faire après. En fait, il faut arriver à se séparer, si je peux dire ça comme ça, de cette contrainte. D'accord ? Parce que ça, on rajoute une contrainte. D'accord ? Donc, quand on débute la batterie, des contraintes, on en a beaucoup.
Bon, bah là, on se rajoute celle-là. On maîtrise le poum, tum, ka, tum, poum, tum, ka, pas de problème. Mais là, on vient rajouter une contrainte. Donc, pour ça, il faut absolument essayer de se loter. Vraiment, essayer de ne pas y penser, de se la retirer. Et limite, au début, on fait juste un 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et etc. etc. Et on garde ça. Après, on sait que notre 1, c'est notre grosse caisse. Ok, notre 3, c'est notre grosse caisse. Et notre 2 et 4, je parle des temps, bien sûr, la caisse claire. Et on vient rajouter. Poum, ka, poum, ka, poum, ka, poum, ka, etc., etc. Déjà qu'on va maîtriser ce simple rythme classique avec ce mouvement, on va déjà déverrouiller certaines choses et on va pouvoir travailler correctement la ligne 4 et la ligne 5, d'accord ? Voilà, donc c'est un exercice qui n'est pas forcément ultra compliqué, mais qui a quand même son lot de complications quand on n'a jamais travaillé plus ou moins l'indépendance. Par contre, sincèrement, affrontez la difficulté, parce que je vous dis, au début, vous n'allez sûrement pas y arriver, d'accord ? Vous allez sûrement galérer. Allez au-delà. Persévérez. Tout débutant a au moins Charleston in Ride, mais on peut faire après sur un Stax, sur un tome, sur un cerclage de tomes, etc. Hop, vous le dispatchez où vous voulez, d'accord ? Sur ce, les amis, prochaine vidéo, cover. Je vous le dis tout de suite, ça va envoyer du lourd. Ça fait un petit moment là que j'ai pas fait de cover assez rock bien soutenu. Donc quand il va tomber, prévenez les voisins parce que ça va déboîter. Voilà, c'est une chanson qui est simple à la batterie, qui est pas très compliquée, mais qui envoie. Voilà, donc ça sera la prochaine vidéo. Nom du groupe, c'est ça que vous voulez savoir, le nom du groupe qui va... Oui, Blackstone Cherry. Voilà les amis, je vous en dis pas plus, voilà, mais vous allez voir que ça va péter, c'était juste pour la petite info. Et puis il y aura un autre prochain exercice aussi qui va tomber, cette fois à un niveau un peu plus avancé, parce qu'il en faut pour tous les goûts. Voilà, je souhaite bon courage à tous ceux qui oseront se lancer ce petit défi d'indépendance. Vous avez vraiment des soucis pour passer le truc, n'hésitez pas, je suis là, 06 19 30, je déconne. Allez, à bientôt les amis, et sur ce, n'oubliez pas, qu'est-ce qu'on dit ? Non, pas ça ? À bientôt, salut les amis, ciao, bye bye, merci à vous tous de me suivre et de continuer d'être de plus en plus nombreux, à bientôt, bye bye, ciao.